gars, c'est parti. C'est là la merde. Et c'est la suite de The Secret of Monkey Island. Le Chuck Revenge. Monkey Island 2. Voilà, déjà, ça donne envie de danser là, les gars. Ça donne envie de danser. Réalisé par Roger Baer. Donc cette fois-ci, les gars, Guybrush va se lancer dans la recherche d'un trésor, le Big Womb, un trésor légendaire. Ah, vous avez Guybrush, il a pris un peu de la bouteille, et la petite barbe, petit costume 3 pièces, il est bien sapé maintenant, voilà Guybrush. On va voir pourquoi il est habillé comme ça, on va le découvrir. Alors c'est peut-être le Monkey Island dans lequel on va... Non, c'est pas le seul, mais on va un peu galérer, parce que je l'ai fini, hein. Plein de fois, il y a des années, mais c'est celui que je connais le moins. Et c'est paradoxal parce que c'est l'un de ceux que je préfère le plus aussi. Mais bon, le Monkey Island, je l'adore, je l'ai fait tellement de fois, je connais par cœur. Le 2, je l'ai fait un peu moins de fois et je l'adore, tout autant, je l'adore le Monkey Island 2. Il y a des passages mythiques, mais alors ma mémoire me fait défaut. Donc, on va essayer de s'en souvenir et de passer un bon moment dans ce monde de piraterie. On va s'amuser, allez, on va profiter. C'est parti. L'île de Scamp. Ah, la dégaine de Guybrush, elle est stylée là. Première partie, l'embarco de l'Argo. Alors, je suis plein aux as. Je suis vraiment plein aux as. Je pense être bien préparé financièrement.
Il est blindé. Il est blindé, le gars Ivresh, putain. Alors déjà, on va prendre des appels parce que je sais que je vais en avoir besoin. Bienvenue à Woodtick. Pas de chasse au trésor. Bon, et là, malheureusement, je vais tout perdre. Allez voir ce qui va se passer, putain. Je vais mettre J'ai tout perdu, putain. J'ai plus rien, enculé. On va aller voir lui. Il a un dialogue. Il a un dialogue que j'adore. Alors que je suis prêt. Allez, la fameuse, le dialogue de ouf, j'adore, elle est trop forte. J'adore ce dialogue, c'est un truc de ouf. Donc, on va mater un peu ce qu'il y a par ici. Ah, c'est pas à vendre. Tes mains de là. Ouais, il va dire toujours la même chose. Ouais, il dit toujours la même chose. Ah, il y a des clous là. Alors je sais que j'ai besoin de clous à un moment donné. Ah, il peut pas me les filer l'enculé.
bah voilà, il s'appelle Woody le menuisier. Il fait pas l'enculé. Et les jambes de bois aussi. Non, il veut pas, il veut pas. Il y a le tabouret aussi. Pour l'instant, je peux rien faire ici. Je peux rien faire. On va se casser. Tiens, il y a un panneau là, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est le bar. C'est le bar. Bon, allez, on va faire un petit tour au bar. Le mec, il fait du rire. Il fait rigoler. Vaudou, tiens, ben le voilà. Thank you.
quai de Capside. Voleur de mon arrière grog. Hein. Alors Jojo c'est le singe, je sais plus où est-ce qu'on le trouve, c'est plus tard dans l'aventure de toute façon. J'essaie de voir si... non, il ne dit plus rien. Alors est-ce qu'il va pouvoir rentrer là-dedans ou pas? Non il veut pas. Le crachat de l'argot. Il va pas vouloir le prendre. Ouais, il me faut du papier. On va chercher du papier plus tard. Alors attendez, je me souviens plus en fait. Là c'est Wally. Ah, c'est Wally! Voilà, le papier il est là. Bon, on va parler à Woody. Pas le monocle. Le monocle, on va devoir le prendre, mais je sais plus pourquoi. Ils sont fous, l'enculé, ils s'en fout. Wally mon pote, attends, me fais pas ça là. Je lis hier pour voir. Mais ils s'en fout. Ah l'enculé de Wally. Je vais lire hier encore. Le Wally. Bon, ça. J'ai demandé ça. Thank you.
ça. De cartes quand même. Bon, il demandait pour Big Whoop. Hein. Très importante. C'est ce qu'on doit faire. Le monocle, on va pas le prendre encore. Je sais que j'en ai besoin, mais je sais plus pourquoi. Bon, allez, on va faire la première pause. Attendez, je vais la sauvegarde. Et je coupe.